Salut, c'est Papa Gaming. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Jinoog. Alors pourquoi est-ce que je vais parler de Jinoog? Parce que c'est tout simplement un shoot'em up que je trouve vraiment d'un niveau technique assez haut pour la Mega Drive, surtout à l'époque où il est sorti. Moi je ne l'ai pas possédé à l'époque, mais je le connaissais, mais je l'avais déjà joué chez des amis, mais je l'avais jamais possédé. Donc Jinoog, qu'est-ce que c'est? C'est un shoot qui est sorti en 1991, donc vous verrez, le niveau technique est vraiment assez élevé pour 1991, hein, on n'est pas en 94, 95, là, à l'époque des Contra et compagnie, les derniers jeux de la machine, et pourtant la machine, elle va sortir tout ce qu'elle a dans le ventre sur ce jeu. Là, par exemple, on voit une rotation du décor en premier plan et en second plan. Une rotation que la machine ne fait pas si souvent en fait, elle est capable de le faire. Alors je sais pas comment ils font, si c'est programmé ou quoi, mais elle est capable de sortir ça, mais on le verra pas fréquemment. Donc là on est en 91, donc la machine elle a assez peu d'existence, et pourtant ils vont vraiment sortir les tripes de la Mega Drive. Donc le jeu a été développé par Masaya et édité par NCS Corporation. Masaya, c'est un développeur qui a fait plusieurs jeux un peu obscurs, Chovit, d'autres jeux. Ils ont fait quelques très bons shoots. Ils ont fait, avant Jinoog, ils ont fait Hellfire, une adaptation d'un shoot d'arcade qui était vraiment très bien réussi déjà pour la Mega Drive. Ils ont aussi fait Glay Lancer en 1992, donc Glay Lancer, c'est un super shoot aussi. Très rare et très cher, donc si vous tombez dessus, foncez les yeux fermés. Donc un très bon shoot de Masaya. Jinoog, c'est pour moi quand même vraiment un très bon jeu de Masaya, je dirais même un très bon shoot de la Mega Drive. Il s'appelle Jinoog donc en Europe et au Japon. Ils ont gardé le même nom qu'au Japon. Par contre aux États-Unis, il s'appelle Wings of War. L'histoire, bon, c'est marrant parce que ce qui est original, c'est que l'avatar qu'on dirige, c'est pas un vaisseau spatial, donc c'est un mec. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur le dos de la couverture de la boîte européenne, qui est traduite en je sais pas combien, en 8 langues. Vous êtes War, le maître du combat volant qui lance des éclairs d'énergie et qui peut contrôler les forces magiques de la nature. Votre planète a été envahie par des créatures hideuses. Anéantissez ces créatures et libérez la planète. Bon, ça c'est ce qu'ils ont traduit pour l'Europe. Moi, il m'avait semblé qu'en réalité, l'histoire c'était plutôt des habitants de la planète de War qui avaient muté, qui ont été transformés par je ne sais quelle force obscure. Bon, vous me direz, le scénario n'a que peu d'importance, mais c'est quand même toujours agréable de savoir pourquoi est-ce qu'on dirige une sorte d'ange qui ressemblerait plutôt à un dieu vu les pouvoirs qu'il a. Voilà, donc c'est sympa, hein, diriger autre chose qu'un vaisseau spatial. Bon, Technosoft avec Elemental Master nous avait fait un shoot pédestre aussi, c'était très sympa. Alors parlons un peu de Jinoog. Jinoog, il a des niveaux qui sont parfois moyens, le niveau en lui-même, et parfois juste excellentissime. Donc très irrégulier. Par contre, la très grande force de Jinoog, vraiment sa très très grande force, c'est les boss. Les boss sont vraiment superbes. Et c'est pour ça que je le trouve un petit peu particulier ce jeu, parce qu'il a une ambiance assez glauque. De par ces boss en fait qui sont vraiment à la limite du malsain quoi, hein, comme savent le faire les japonais. Vous voyez là, à ce niveau là avec les mouettes, bon il y a quelques scrolling différentiels qui donnent une petite impression de profondeur, mais ça va pas casser trois pattes et un ton quoi. C'est pas non plus exceptionnel. Mais moi je vais vous décrire le système de jeu. Donc on est dans un shoot, l'ange peut envoyer des boules de feu dont la puissance augmente avec les petites boules rouges et dont la taille des boules augmente avec les petites boules bleues. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de smart bomb dans ce jeu. Il n'y a pas de smart bomb. Par contre, il y a un système d'armes spéciales, donc avec les lettres. On voit qu'on a en haut à droite trois petites cases dans lesquelles on peut stocker des lettres. Chaque lettre représente un pouvoir spécial.
take pour Thunder, là, par exemple. Donc ça peut nous procurer des tirs spéciaux, des boucliers qui sont limités dans le temps, ou même des tirs à base de bulles d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que si on a trois lettres et qu'on cumule, par exemple, on peut décaler les lettres sur la gauche, ce qui fait qu'on peut choisir sa combinaison d'armes. Et je m'explique, si jamais par exemple on a deux fois ou trois fois la même lettre, quand on décide de valider le pouvoir spécial, il sera d'autant plus puissant qu'on a activé deux lettres. Je ne sais pas si je suis clair, mais quand on joue, on comprend. On a notre nombre de vie à droite. Là, voilà, je viens d'activer les éclairs. Donc, on voit le petit symbole avec 20, c'est mon nombre d'éclairs. Donc, ceux-là sont limités au nombre de coups. Ensuite, il y a une petite jauge pour la puissance, savoir où on en est, et le score. Voilà, donc une interface très simple, Up qui est juste en haut, donc on a tout l'écran pour qui est bien, bien clair. Dans ce jeu, la particularité, c'est qu'il y a des mid-boss dans chaque niveau. Il y a des petits mid-boss, donc c'est très sympa. Voilà, là, des bonnes petites salves de tir. Très, très joli, c'est très graphique, on voit des tirs qui vont à différentes vitesses, c'est un petit peu vicieux. Alors là, le jeu, évidemment, je l'ai pris en easy. Je me suis mis 5 vies, je l'ai pris en facile, parce qu'il est quand même vraiment pas simple. Si les deux premiers niveaux sont assez faciles, même en normal, dès qu'on arrive au troisième niveau, ou au quatrième, là, ça commence à se corser sévère. Donc comme j'avais pas envie de me prendre la tête et que je voulais montrer le jeu dans son ensemble, je l'ai pris en facile, je sais. Je ne suis pas un super player. Et je n'ai pas relevé le challenge. Non, ce n'est pas une vidéo challenge. Je ferai à l'occasion des vidéos challenge, en m'entraînant. Enfin, si je m'entraîne, je dirai que je me suis entraîné. Puis si je m'entraîne pas, vous le verrez, je jouerai comme un sac. Là, je voulais montrer le jeu. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de boulettes. Mais il faut savoir que l'hitbox des boulettes, c'est du 100%. Et l'hitbox de l'ange, c'est un gros rectangle, quoi. C'est-à-dire que la boulette, si elle te frôle, t'es cuit. C'est à l'ancienne, quoi. Mais bon, on voit que là, c'est assez tranquille niveau boulette, hein. On verra dans les niveaux d'après que ça va se corser un petit peu. J'ai pas mal galéré pour faire les derniers niveaux. Enfin, vous verrez ça. Là, je vais vous présenter les trois premiers niveaux. Donc les ennemis, qu'est-ce qu'on peut dire sur les ennemis? Ils sont assez sympas, hein. Ils sont très variables d'un niveau à l'autre. Il y a une ambiance qui se dégage de chaque niveau quand même entre les ennemis et les décors. Là on a droit à notre petit monde aquatique, hein. C'était une étape obligatoire dans les shoots de cette époque-là. C'est vraiment très ambiancé et vraiment chaque niveau a sa couleur, son style d'ennemi, ce qui fait qu'on sait tout de suite dans quel niveau on est, vraiment on change d'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de niveaux dans le jeu, il y en a 6, mais on change d'ambiance. Voilà, donc là on arrive au second boss qui est, il est très marrant. Voilà, on voit le bateau pirate là. Franchement, j'adore les boss de ce jeu parce qu'ils réservent vraiment beaucoup de surprises au-delà de leur aspect glauque et leur challenge aussi. Et beaucoup de petites surprises là, par exemple, donc on se fait la proue du bateau là, mais il y a un deuxième effet qui se coule. Et ouais. Là, j'ai activé mon shield pour que dalle. Et voilà. Et en fait, le vrai boss, c'était sous le bateau. Voilà, c'est très sympa. Les sprites des boss sont juste énormes. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de boulettes, mais je vous assure qu'en normal ou en hyper, là, c'est carrément la folie. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont fini en hyper, moi, je dis bravo. Franchement, les mecs, bravo. Parce que là, il y a un sacré challenge. Voilà, là, je viens de me faire éclater la tronche. Petite erreur d'inattention. Ça pardonne pas. Pourtant, les patterns sont assez faciles à lire, là. Hein. On se demande d'ailleurs comment je me suis fait avoir. Mais bon, voilà, ça m'arrive de faire des boulettes assez régulièrement dans les jeux. Bon, après, je peux insister pour faire des super parties, mais là c'était pas vraiment le but de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas présenté comme item? J'ai pas présenté les petites plumes. Les petites plumes, ça te donne de la vitesse.
Alors au début c'est bien, tu les prends toutes, t'en prends plein, et après tu deviens tellement rapide que l'esquive devient très difficile. Donc il faut gérer son nombre de plumes et savoir arrêter d'en prendre. Sinon ça peut vous réserver quelques surprises, hein. Ça, après t'as vite fait de choper une boulette. Voilà, alors ça a l'air de rien, ces gargouilles. Mais combien de fois je me suis fait avoir, ou alors en voulant esquiver la gargouille, me choper l'escalier là, parce que évidemment le décor c'est collision mort. Ça, il n'y a pas de souci, à part les petites colonnes là où on passe derrière. Il y a des vies cachées dans ce jeu, il y a des vies cachées. J'en ai chopé une au premier niveau juste avant le mid-boss, je sais pas si vous avez vu. Il y en a une aussi dans celui-ci, alors je les connais pas toutes, je sais qu'il y en a une derrière une colonne en haut. Je sais plus à quel endroit, je crois juste avant le mid-boss aussi. Dans les autres niveaux, il doit y en avoir aussi, mais je me souviens pas du tout. Voilà, donc là, les deux premiers niveaux, je vous les ai pas mis en entier quand même, parce que ils sont assez répétitifs, hein, quand même, les deux premiers niveaux, je trouve. Donc j'ai un peu écourté, sinon c'est un peu chiant, quoi. Ouais, je pense que là, le spoil de Ginook, ça devrait faire en gros dans les deux fois 20 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Je vais pas vous en faire une heure et quart, hein. Ça suffira. Surtout que ouais, les deux premiers niveaux, je veux dire, après c'est toujours les mêmes ennemis, les mêmes patterns. Je vais pas tout montrer. Voilà, bon, donc là je me suis fait choper par les gargouilles là. Ce petit tir là, il est bien sympa parce que il permet de tirer au-dessus, en dessous et même un petit peu derrière. Donc ça peut être pratique. Donc on peut changer de tir en chopant des boules bleues entourées de quelque chose. On peut aussi choper des boules rouges entourées de quelque chose, ça va changer le type de tir. Voilà, les jaunes, ça fait un tir qui tire carrément derrière. Enfin voilà, bon, je ne sais plus le style du tir. Je sais qu'il y a un tir qui est plus concentré. Celui-là, il est plus large, mais moins puissant. Alors ce mid-boss, il est vraiment casse-bonbon. Il arrive comme un fou, là, en fonçant... Alors le seul truc pour l'esquiver, c'est de tout le temps bouger, quoi. Mais vraiment, il est casse-bonbon parce qu'on ne peut pas le toucher trop souvent. Et du coup, c'est pas rare de se faire avoir par celui-ci, quoi. Ouais, il y a des petits mid-boss vraiment sympas. Sympatoche. Voilà, donc là, j'ai chopé le tir bulldo. Donc il est carrément plus puissant. On voit que j'ai une bonne réserve de tir magique. Mais je vais garder celui-ci le plus longtemps possible parce que il a tout simplement les tirs infinis. Là, ça m'indique 999, mais je peux tirer tant que je veux. Donc, je vais essayer d'en profiter le plus longtemps possible parce qu'en fait, quand tu te fais toucher, tu perds le tir que tu avais équipé. En fait, tu perds ce que tu as activé comme pouvoir, quoi, hein, les petits pouvoirs spéciaux. Là. Voilà, donc encore des ennemis variés et différents. Là, on voit que ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Vraiment, l'ambiance de ce jeu est vraiment sympa. Et plus on avance dans le jeu, vous allez voir, c'est encore de mieux en mieux. Ils nous ont vraiment réservé une sorte d'apothéose pour le final du jeu. Donc, d'ailleurs, apothéose que vous verrez dans la deuxième vidéo que je vais faire, la suite. Parce que là, ça s'arrête juste avant. Et vous verrez qu'il y a des petites subtilités de level design. Sympa, donc on voit qu'ils nous font pas aller de gauche à droite. Ils nous font monter, descendre. Dans le deuxième niveau, on commence au-dessus de l'eau, on descend. Ça casse l'impression de monotonie et ça, c'est pas grand chose à faire et c'est plutôt bien vu. Donc là on affronte le train mécanique qui est un petit peu vicieux parce que vous voyez il y a les flammes à éviter, il y a les boulettes et ces espèces de cendres là qui s'envolent et qu'on voit presque pas, quoi. Là vous voyez les machins qui sortent de son nez là, et ben on les voit à peine et c'est franchement la galère. Donc là ça va, on passe entre les boulettes, entre les flammes, et là vous voyez les petites cendres là qui s'envolent, et ben ça si ça te touche, ça te tue, tu les vois à peine, c'est vraiment vicieux. Là on est loin de la boulette fluo, là c'est plutôt, voilà, c'est plutôt la boulette qui se cache, quoi. Donc là je me suis fait avoir forcément, j'ai activé le petit ange, là ça m'a servi à rien du tout. Voilà, donc en les touchant suffisamment,
Ils se font éclater et en arrivent à passer. Ce niveau, alors là, en termes de level design, il y a une petite subtilité, vous allez voir, c'est que ça se rétrécit et le scrolling, il accélère. Il accélère. Du coup, faut connaître un petit peu par cœur, pas avoir pris trop de plumes, quoi, sinon on se mange le décor. Et voilà, bon, c'est pas si difficile que ça, mais faut être assez vigilant quand même. Ouais, là, j'ai voulu choper des boules bleues et je me suis fait éclater au sol. Là aussi. Et voilà, donc vous voyez très bien que je ne suis pas au top sur ce niveau. Voilà, alors là ils sont assez généreux en bonus, mais bon, on peut en attraper que quelques-uns. J'esquive comme je peux, là j'ai le tir concentré. Voilà, au fur et à mesure qu'on se fait tuer, on perd de la puissance évidemment. Là il y avait une vie cachée, mais va la rattraper, si tu la prends pour te faire éclater, donc ça sert un peu à rien. Donc je l'ai laissé. Il doit certainement y avoir moyen de la choper, mais là je l'ai laissé sur le coup. On peut choisir différents chemins. Attention aux petits tirs bleus qui avancent bien lentement, mais il faut faire vraiment attention de ne pas se les choper. Voilà, on peut passer en dessous et au-dessus. Attention, esquive, restez sur vos gardes dans ce niveau. On peut toujours manger un mur. Le scrolling ralentit un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, ça sent le mid-boss. Alors, des espèces de têtes là. Et un engin mécanique. On est dans un niveau usine en fait. Donc là, c'est carrément ambiance mécanique. Ouais, mais ouais, c'est ça, des machines. J'aime bien. Donc là, il faut essayer de tuer toutes les têtes. Il y a des tirs missiles là qui arrivent, mais on peut les tuer des projectiles. Donc ça va. Ça va, ça se fait. Bon, je suis en facile aussi. À partir de là, le niveau, il va être plus dur encore en fait. Pas à cause de la vitesse du scrolling, mais à cause des ennemis. Déjà, il y a ces petits salopards là qui envoient des tirs bleus. Alors si tu les laisses trop à l'écran, il y en a partout. Les têtes qui arrivent assez rapidement. Mais c'est pas ça le plus chiant. Le plus chiant, ça va être juste après. Oui, il faut pas rester tout à droite de l'écran parce que là, le temps de tuer la tête, on peut se faire exploser. Là, voilà, ça va se compliquer. Bon, encore là, j'utilise une arme spéciale qui fait des tirs qui longent le sol, donc ça me permet d'avoir les espèces de tourelles en forme de tête. Et il y a beaucoup d'ennemis qui ont une forme de tête, hein, dans Jinook. Ça, ils se sont bien lâchés sur les têtes. Je me souviens que j'avais galéré par là, mais bon, là ça se voit pas trop à l'écran, là il n'y a pas grand chose. Ouais, alors il y a ces ennemis bizarres là, ces espèces de mecs qui pompent là, qui t'envoient des menhirs là, je sais pas ce que c'est. Ça, si tu les tues pas, ça peut vite devenir galère parce qu'ils montent, ils redescendent, tu peux pas les éliminer, les projectiles. Ouais, là, toujours des têtes. Voilà, alors lui, il est bien protégé derrière son petit mur et j'ai eu du mal à l'avoir. Toujours ces espèces de tourelles là, avec les mecs qui ont l'air de hurler là. Et le scrolling est méga lent hein, par rapport au début du niveau là. On passe d'un extrême à l'autre en fait. Il était super rapide au début et là il est méga lent. Bon, le jeu il est un petit peu sombre, mais ça correspond à l'ambiance. Je trouve que ça augmente le côté glauque qu'ont voulu donner les développeurs là, avec toutes ces têtes bizarres, là, tous ces boss qui ont des têtes. Sympa là, les mecs, c'est vraiment bizarre. Sur les sprites, ils se sont vraiment lâchés là, les créateurs là. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu pour l'ambiance. Après, les musiques, je les trouve très sympas. La première musique déjà du premier niveau, je la trouve vraiment excellente. C'est épique, quoi. T'es tout de suite dans l'ambiance archange qui te défonce tout là. Voilà, je me fais avoir par la tourelle avec son petit pattern de trois boulettes. Voilà, non, mais, ouais. Quand t'es parti, hein.
ça, il n'y a pas de souci. Ça a l'air de rien comme ça, mais bon, il suffit d'une seconde d'inattention et voilà. Donc là, j'utilise l'ange. Bon, c'est un pouvoir qui envoie un éclair juste en dessous de là où il est, donc c'est assez limité quand même. C'est pas le top du top. Oui, c'est vrai que là, ça se répète un peu, hein, les niveaux, vraiment, ils sont... C'est vrai que sur la longueur du niveau, bon, t'as un peu toujours les mêmes ennemis, quoi. Mais bon, c'était très souvent comme ça à l'époque. Voilà, donc là, je recommence avec ces boules, là, qui t'envoient des boulettes suicides, difficilement prévisibles. Bon, la notice de Jinoog est très complète, hein, en français, vous voyez, comme je l'ai feuilleté au début de la vidéo. On sait tout sur tout, quoi, hein. T'as tous les boss qui sont spoilés. Ouais, c'est un peu abusé, quoi. D'ailleurs, dommage qu'elle soit en noir et blanc. J'ai jamais vu la notice japonaise, mais je suis sûr qu'elle est beaucoup plus jolie. Particularité d'ailleurs de ce Jinoog européen, c'est qu'il a le mode facile, alors que dans la version japonaise d'origine, il n'y a pas de mode facile. Ils ont estimé que le jeu était trop difficile pour nous petits européens, mauvais joueurs que nous sommes. Donc ils ont radouci le soft en rajoutant ce mode facile. Bon, c'est un petit plus entre guillemets, parce que ça permet déjà de se faire au jeu avant de l'attaquer en normal, quoi. Après, le vrai jeu tel qu'il a été conçu à l'origine, effectivement, c'est le mode normal, quoi. Le mode facile n'est qu'un rajout européen. Le titre du jeu, donc en américain, c'est vrai qu'il est, il est particulier. Wings of War, pas War, War. C'est spécial. Du coup, quand tu dis, oh là, j'ai eu Wings of War sur Genesis, ah oui, c'est quoi? Alors que tu dis Jinoog, tout le monde connaît. Le boss du troisième niveau, qu'est-ce qu'on va avoir droit? Déjà, je crois que c'est... oui, c'est celui-ci. Voilà. Alors là, il est... regardez-moi ce sprite, comment il est magnifique. Cette espèce de créature à moitié arrachée, mi-homme, mi-machine, enfin mi-homme, c'est vite dit, avec le cœur qui va se promener, qui nous envoie des espèces de globules rouges. Très difficile d'ailleurs, il a qu'un seul type de tir, mais les globules rouges, ils sont plus ou moins attirés par le vaisseau, ils ont une hitbox énorme. Franchement, il est pas facile. Et je sais pas si vous avez vu sur le boss toutes les petites animations sur le gros sprite, c'est juste magnifique et super glauque, ouais, aussi. Voilà, donc là j'ai terminé ce troisième niveau et vous aurez la suite au prochain tour. Voilà la jaquette japonaise qui est superbe. À bientôt.